Et ça tout le monde, c'est Azuric Perassian, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 255 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait tout simplement exploré le relais du lac dans lequel on avait un petit peu pris les quêtes secondaires, etc. qu'il y avait là-bas. Et du coup, on avait voilà, indiqué comme d'habitude s'il y avait des gros noix Korogu en rapport avec le gars qu'il faut ramener et tout ça. Et du coup, on les avait notés. Et aujourd'hui, bah, les amis, voilà, on va tout simplement bah, se diriger durant ce relais-là. Voilà, donc pour la sérénade pour Keiza. Donc voilà, donc on a de la route à faire. Hein, on a beaucoup de route à faire. Donc je sais pas si on va y arriver aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, on va y aller progressivement. Si on doit mettre plusieurs épisodes, mais on mettra plusieurs épisodes. Mais voilà, donc on va y arriver progressivement. D'ailleurs, il voulait un chevaux pour pouvoir le voir en vrai, l'autre, mais. Ah non, c'est pas un chevaux. Putain, mais je suis con. J'ai vraiment cru que c'était un cheval. Bah écoute, on y va. Donc du coup, ouais, on va suivre le chemin et puis voilà. Et pour, si on découvre des noix Korogu, des gros saillés, bah, on les indiquera pour qu'on les fasse à un moment donné. Ou des sanctuaires aussi, hein, ça peut être bien. Hop, là-bas. Hey, hey. Pouah, la forêt de Firon. Enfin qu'on explore cette zone dans cette version-là. Ça fait plaisir. Ouais. Non, c'est pas du tout là que je voulais aller. C'est pas du tout là, mais attendez, mais je me perds, c'est incroyable. Ah, c'est ici qu'il faut aller, putain, je suis con. On se perd pour rien, quoi. Non, mais vraiment, t'arrives à y croire. Mais si. Mais non, c'est pas ici. Mais attendez, mais wow, wow, le sens de l'orientation, il est éclaté. Ouais, c'est par là-bas. Merci. Putain, le sens de l'orientation, elle est éclatée. Plutôt par là. Oh, comme on se retrouve. Merci pour ton aide chez les Gorons. Depuis la dernière fois qu'on s'est croisés, je suis parti à la recherche d'une créature inconnue. Si je me fixe aux rumeurs du relais, on la trouverait par ici dans les zones tropicales de la région du Firon. C'est léger comme indice, mais c'est un bon début. Ça soulève néanmoins une question importante. Est-ce que j'en accompagne d'une purée ou d'une portion de riz? What? Et possédé surtout. C'est vraiment pas étonnant que... qui aurait une noix Korogu, tiens. J'allais dire, ça serait pas étonnant qu'il y aurait une noix Korogu dessus, ça. Non, dites fait que tu vas trouver une noix Korogu. Tiens, petit, vous êtes donné un Korogu, ça peut faire 1000 par 4, beaucoup de portraits manières. À l'arrivée, eh ben, parfait. Tac. Quand j'ai vu le bout du ballon, je me suis dit non. Ah oui, en effet. Qui m'a envoyé un message ou quoi? Ah non, c'est juste Discord qui s'est lancé, je suis con. C'est Discord qui s'est lancé maintenant, quoi. J'ai que ça à foutre à regarder Discord maintenant. Aïe 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 aïe. Ok. Eh, on le connaît ici maintenant, ce côté-là. À l'époque, il y avait Azarim, si je dis pas de conneries là. Oh, ça veut dire qu'il y a une grotte pas loin, ça. Ça veut dire qu'il y a une grotte pas loin, hein, je vous le dis. Ruine de Sonao. Sonao. Je sais pas où, mais il y a une grotte pas loin, c'est sûr. Et bon alors, les pays légendaires, on ramasse ceux qui traînent au sol. J'arrive pas à y croire que tu sois tombé dans le panneau. Fais tes prières! Oh là, défoncé. Donc non, c'était pas pour une grotte. Mais c'est un peu bizarre.
C'est pas pour une grotte, d'accord. C'est bizarre qu'il y ait un lomi ici, c'est pas pour une grotte. Hein. Alors c'est peut-être pour cet événement-là, mais c'est un peu chelou. À l'époque, il y avait une noix Korogu, voilà, sur ces trois pierres, on se souvient. Il y avait une noix Korogu dans laquelle il fallait amener les trois pierres sur, les, sur le truc. Donc là, j'ai l'impression qu'on en a pas, par contre. Ou peut-être faut aller sur un des cailloux. Genre peut-être il y aura une noix Korogu sur un des trois cailloux, là. Pas celui-là. Là, ça clignote pas. Et là non plus. Donc non, y a... ils ont pas recyclé cette fois-ci la noix Korogu. Ils l'ont pas recyclé. Mais à l'époque, il y avait Azarim ici, on se souvient. T'as que des souvenirs. Ok. Sanctuaire purificateur à proximité, c'est ouf. Ah, un autre Lumi, mais... C'est bizarre qu'il y a autant de Lumi ici. D'accord, en fait, c'est juste parce qu'il y a une grotte. Et une grotte qui a l'air de mener au à un sanctuaire parce que vous avez vu comme c'est indiqué. C'est un peu chelou. Entre. Oh là, il y a des ennemis ici, mais chelou quand même cette zone, non? Je m'égare peut-être un peu, mais. Ok, c'est juste pour ça. Il n'y a pas de, de truc dans un tronc, non, rien. Ah, ça on le fera peut-être plus tard là, la grotte. Hein. Ouais, il y a un genre de dragon. Est-ce que ici par hasard il n'y a pas de gros goût? Non, oh, mano noir, viens mano noir! Elle miaule ma fille. Viens mano noir! Elle miaule. C'est vraiment une grosse miauleuse celle-là, hein? Y'a rien là. C'est bizarre, des fois il y a des gros arbres comme ça alors qu'il y a rien. Oh, salut toi. Ok, on se rapproche dangereusement de l'endroit. Quelle étrange créature. Babalam, balalam, balalam. Oh, pris sur le fait, ah, je chantais une air de ma composition, la danse endiablée délicieuse. Moi c'est Gurlak, un homme libre qui aime voyager là où, où le vent le porte. Enfin, ça c'était avant. Lors d'un de mes voyages affamés, j'ai perdu connaissance dans cette forêt. Lorsque je suis revenu à moi, je me suis retrouvé dans l'au-delà. Oh oui, d'accord, il est vraiment perché. Tiens, normalement, là, tu es censé pousser un cri de surprise. Ah, enfin, c'est ce que j'ai cru en voyant la féerique baillée de lumière, des lucioles de la sérénité. Bref, tu l'aurais compris, je ne suis plus un homme libre. Désormais, mon cœur appartient à mes chères lucioles. À présent, je vends mes articles ici, au pays des lucioles. Tiens, d'ailleurs, que dirais-tu de voir ma collection? Je vais voir. Oh putain, d'accord. Oui, donc, tu vends des trucs. Autre chose, non, c'est bon. C'est bon, très bien, si tu as besoin de moi, quoi que ce soit, fais-moi signe. Ok. C'est très intriguant cette zone quand même. Hein. Ok, donc on se rapproche dangereusement de la... De la fin, entre guillemets, enfin de l'arrivée du truc, du relais. Des fois dans les troncs comme ça, il faut vérifier s'il n'y a pas des petites noix Korogu, mais non, il n'y a rien. Ok, donc le relais est tout droit devant. Bah à mon avis, on aura du coup le sanctuaire en rapport avec le relais. Ça, des montagnes, on l'a déjà pris en photo. On l'a déjà prise en photo. Hé hé, nous y voici. Nous y voilà. Oh. Wow, ce qu'il y a là. Mais what the fuck, on ira en donjon, le machin. Ah, d'accord, oui, on le connaît cet endroit. Oui.
On l'a encore à cet endroit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'espère qu'il vend bien. Oh. Épée de soldat et tout. J'espère que le capitaine Lunium et les autres vont bien. Ah, un voyageur, si tu aventures plus loin, sache que c'est dangereux. Le capitaine Lunium et sa 3e brigade anti-monstres y sont déployés. Un navire pirate aurait accosté sur les rives de la Vendra à l'ouest. Mais la capitaine Lunium veille au grain, elle prépare un assaut avec sa brigade anti-monstres. Et moi, eh ben, je cuisine pour nourrir les troupes. D'ailleurs, j'ai préparé des plats pour en attendant leur retour. Je vais t'en donner, tiens. Délice des bois de poisson robusto. Attaquer 3 coeurs, attaque 1 minute 20, augmente l'efficacité de l'attaque de niveau 1. Une recette facile au succès garanti, la saveur de ce poisson frit relevée par les riches arômes de ces champignons. Enfin, des champignons. Si tu te sens à la hauteur, tu devrais aller donner un coup de main à la capitaine Lingham et son équipe. Ouais. Alors, le sanctuaire, il est là. On va d'abord faire le sanctuaire, si vous pouvez me le permettre. Après, on fera du coup la petite. On découvrira le petit relais. Eh ben dis donc. Pour ça bientôt, bah écoutez, on va pouvoir avoir même un nouveau réceptacle de cœur bientôt. C'est un truc de dingue. Alors. Sanctuaire de Yutu Xoxi. Xik. Bah y'a un camp. Bah écoute, on y va. Ah, on a vu un sanctuaire qu'on a déjà fait là-bas. C'est dingue. Ah, finalement, c'était pas si loin que ça là-bas. Bon, écoutez, ça nous a permis d'avoir des relais, de prendre les quêtes secondaires. Parce qu'évidemment, on va devoir faire les quêtes secondaires. On va devoir tous les faire, hein, de toute façon. Ok. La verticale et l'horizontale. Sanctuaire de Yutu Gyoki. Ok. Oh là là. Verticale et horizontale. Je viens de comprendre ce qu'il faut faire. Tech. Hé hé. Et voilà. Ça ouvre la porte. Ok, donc évidemment il y a plusieurs étapes. Alors, du coup. Ah, j'imagine que du coup là, ça sera pas suffisant. Et évidemment. On se dit qu'il faut y aller avec un peu plus de poigne. Donc, il faut créer un genre de maillet en fait, c'est ça? Il faut créer un genre de maillet en fait. Donc. Alors soit il faut créer, attendez, soit il faut créer un genre de maillet, soit il faut faire ça et profiter que ça soit très lourd. Et plus c'est lourd, peut-être plus ça va. Voilà, vous lancez bien plus vite rapidement. Oh. Presque, j'étais à un poil de cul quoi. Non mais vraiment, j'étais à un poil de cul. Je pense que là ça passe. Non mais c'est une blague. Oh, je suis presque quoi. Non mais oh. Attendez, tac, voilà. Encore. C'est bon. Là, c'est bon. Et voilà. Bon, par contre, du coup, il n'y a pas de coffre ici ou what the fuck? Ok, évidemment, ça continue. Ok, la fin de ce sanctuaire est là-bas. Et je sais pas où il est le coffre. Oh putain. Oh là. Ok, le coffre est là. Oh là 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 là, ça a l'air d'être la merde ici. Oh putain de merde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, c'est sûr qu'il faut créer une sorte de truc comme ça. Genre comme ça. Comme ça. Attendez. Non, comme ça peut-être. Ah, c'est que comme ça, ça va jamais passer. Ah, j'ai peut-être une idée. C'est peut-être comme ça aussi, mais
Genre tu le mets au milieu, voilà. Ça fasse un genre de marteau, vous voyez. Là, ça fait un marteau. Tu fais ça. Et vas-y. Oh, fuck you. Non, mais c'est une blague. J'ai le mal mis. Voilà, là, c'est bon. S'il te plaît. C'est bon, je pense que là, c'est bon. Non, mais c'est une blague. Genre, ça ne passe pas. Mais regardez, en plus, ça le frôle, quoi. Non, mais regardez, c'est du foutage de gueule, ça le frôle de fou. Attendez, il y a un problème, là. Faut créer un genre de marteau, je le sais. Donc, ça veut dire que... Attendez, si on crée comme ça. Peut-être comme ça. Voilà, là, ça forme un genre de marteau. Encore pire. Et peut-être on va pouvoir y arriver comme ça. Donc là, on se lève. Non, mais c'est une blague. Comment attendez. On va pas se laisser emmerder par ça quand même. Attendez, peut-être il faudrait peut-être plus l'approcher à droite. Voilà, on va essayer de l'approcher un peu plus sur le côté. Oh non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Non mais. Et putain, il est con ce truc. On va se l'approcher un peu plus. Voilà. Merci. Là, je pense que ça passe. Et voilà. On arrive au bout. Oh mais il restait un poil de cul quoi. Non mais tu te fous de ma gueule toi. Attendez. Oh. Monte. Il restait un poil de cul quoi. Non mais c'est une blague. Ah il reste vraiment pas grand chose hein. C'est Donc c'est, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire, mais je le fais peut-être un peu mal. Après, il y a aussi la technique comme ça, mais non mais non. Comment je peux y arriver comme ça? En fait, j'aimerais bien un truc comme ça, quoi. C'est pas la boule, ça aurait été bien. On va l'enlever, vous savez quoi. Je pense que le jeu peut... Si le jeu peut te demande que tu peux la prendre, ça veut dire que tu peux l'enlever. Attendez, je suis désolé. La boule, elle me gêne de fou. Hein. Vraiment, elle me gêne de fou. Je vais devoir l'enlever. Ah, la boule, elle me gêne de fou. Reste là. Faut créer. Voilà, on va essayer de créer un genre de pont. Non. Non. On va faire ça. Attendez, tac. Voilà, on va faire ça. Voilà. Ouais, mais le problème c'est qu'on pourra pas reculer. On peut pas reculer. Comment je peux faire? Je bloque. J'ai l'idée de créer un marteau, mais le problème c'est que le marteau il passe pas quoi. Que ça du coup ça passe pas. Parce que là ça a bloqué, je suis sûr que ça a bloqué. Ça bloque pas. Ça bloque pas. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire. Pour avoir plus des. Voilà, pour le défoncer un petit peu plus. Ah bah voilà. Ok. Un wagonnet. Ok. Maintenant, pour créer ça.
fais ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Et voilà. Putain, j'ai pas réussi à le choper. J'ai pas réussi à le choper le coffre. C'était trop rapide. Attendez, c'est con. Est-ce que si je jette le minecart, il réapparaît? Il réapparaît, parfait. Aïe 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 aïe, la difficulté de la chose pour rien. C'est triste, hein, mais. Voilà. Allez, on y retourne. Bah, du coup, dans l'épisode prochain, on ira explorer le relais, hein. Merci. Allez! Y'a quoi là-dedans? Remède dit silencio, discrétion 7 minutes 10, ce remède de niveau 1 permet de gagner en discrétion. Son effet relaxant rend vos déplacements plus silencieux, facilitant l'approche des ennemis et des animaux. Et nous avons tous les coffres. Bien, bah écoutez, c'est fini. On va pouvoir du coup s'arrêter là pour cet épisode. Alors, le dernier épisode de la semaine du coup. Toi qui parcours les sanctuaires purificateurs qui dissipent le mal ancestral. Nous te félicitons, tu as atteint le cœur de cet édifice. Puisse la lumière de ce sanctuaire te purifier. Ok. Eh bien, on explorera du coup le relais dans le prochain épisode. Écoutez. L'herbe bienfaisante avant cristallisée de la noble lumière qu'autrefois scellait le mal ancestral brille d'un éclat céleste. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. Ça va, mon amour? C'est mon amoureuse. Là-bas, il y a mon amoureuse. Manina. Elle est belle. Elle sait que je l'aime. Elle sait qu'elle est toute à moi. Ma chicha. J'adore les chichas. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Alors, du coup, bah, les amis, on va pouvoir s'arrêter. Ah, mais c'est le truc électrique, ouais. On va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Voilà, pour l'épisode 255 de cette aventure 100% sur... The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dans l'épisode prochain, tout simplement, on ira tout simplement se rendre à ce relais. Voilà, donc on explorera, on prendra les petites quêtes secondaires s'il y a des quêtes secondaires à prendre. Et puis voilà, tout simplement. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 255. Je vous avais dit finalement qu'on aurait une géoglyphe cette semaine, mais finalement je pense que ça sera peut-être reporté un peu pour plus tard. De toute façon, il y a tellement de choses à faire que vous imaginez sans doute que c'est compliqué. Allez, d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace !